étant autodidacte, tout mon parcours est beaucoup plus long que quelqu'un qui serait passé par des écoles. Donc à un moment donné, comme ça a toujours été un besoin, et, le temps passe. Et donc j'ai un peu l'impression que le temps me rattrape, donc j'ai peu de temps au final. Hein. Donc cette boulimie, c'est aussi une inquiétude à rapport au temps. C'est, j'essaie de rattraper ce temps qui... parce que si je m'y étais mis quand j'avais 25 ans, si j'avais eu la possibilité de travailler en tant qu'artiste à partir de 25 ans, je sais pas où j'en serais aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, je prends peut-être un peu plus mon temps. Donc, il y a une question d'urgence, en fait. Vraiment une question d'urgence, donc, de prendre le maximum de choses. Puis, enfin, j'ai toujours été comme ça, en fait. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma personnalité. Je me suis rendu compte que toutes ces envies, d'essayer la musique, d'essayer l'image, d'essayer le cinéma, d'essayer la peinture, d'essayer le graphe, etc., que c'était une seule même chose. Et puis ça se répondait. Donc maintenant, j'ai décidé, depuis 2 ans, de faire quelque chose de très global, toujours travailler les choses d'un point de vue global. Donc voilà, mon parcours artistique, c'est vraiment un parcours, à la limite, c'est presque comme un chercheur. Je suis plus proche d'un chercheur que... Enfin, je pense que de toute façon, les artistes sont des chercheurs. Orso est un artiste pluridisciplinaire qui vit et travaille à Ajaccio. Sa démarche artistique est liée à une démarche philosophique nourrie d'un questionnement incessant sur la place de l'homme dans le cosmos. L'observation du monde végétal et animal le passionne. Si la science peut apporter des réponses aux crises environnementales actuelles, l'art peut peut-être, par sa dimension poétique, éveiller les consciences. Quand j'étais adolescent, je photographiais des choses, je faisais déjà ça, mais sans le savoir, c'était de soustraire la dimension d'échelle, de ne pas donner d'échelle de ce que j'étais en train de montrer. On me disait que c'était une erreur. En fait, on m'a souvent dit, non, ça c'est une erreur, il ne faut pas faire ça, il faut toujours donner un rapport d'échelle dans le cadre, etc. C'est important, sinon on ne sait pas à quoi on a affaire. Et puis maintenant, avec une vraie réflexion, je me dis, ça m'intéresse de ne pas montrer des échelles quand je fais ce genre de travail. Parce que la photographie, elle a un truc fabuleux, c'est que c'est toujours du réel. Même la photographie surréaliste, qu'importe, c'est toujours un moment du réel, qui a été fabriqué ou pas. Mais le fait est que ce moment du réel, si on le fabrique d'une certaine manière, on peut arriver à ouvrir une porte vers l'abstraction. Et ça, c'est super intéressant. Né à Épinal, Orso arrive en Corse à l'adolescence et se prendra de passion pour le skateboard. Cette discipline mêlant le rapport au corps, à l'espace et à l'environnement correspond parfaitement à sa personnalité, avide d'explorer et de mettre en éveil tous les sens. En 2013, il crée l'Étrange Atelier, un espace partagé avec d'autres artistes, lieu de vie, de réflexion, d'émulation, d'exposition, dans lequel il se consacre entièrement à sa soif de création, toutes disciplines confondues. Ça, c'est une chose passionnante dans l'art, c'est les accidents. Moi, j'adore ça, les accidents, parce que les accidents, d'un coup, font découvrir quelque chose de nouveau. Le premier spectateur, c'est quand même l'artiste. Il fait quelque chose qui est indépendant de lui à ce moment-là. Là, c'est ce qui m'est arrivé. Je pose cette plaque, elle tombe, j'en repose une, donc j'en refais une vite. Et puis là, il y a la lumière qui est impeccable. C'est juste, j'aurais pas pu l'imaginer mieux que ça. Qui en fait, c'est un disque qui est grand comme ça à la base, donc pour vous donner un rapport d'échelle. C'est un engagement déjà. Alors, déjà, c'est un engagement personnel. Parce que ça demande une certaine force, force de pensée, de la conviction. Parce que c'est pas un métier facile, en fait, d'être artiste. En tout cas, serait-ce que cette idée de beau, sans parler de grands thèmes, cette idée de beau, c'est un engagement de travailler sa main pour arriver jusqu'au bout, jusqu'à au moment donné, on peut le proposer aux autres et dire. Est-ce que vous ressentez quelque chose avec ça? Ou tout simplement, vous trouvez ça beau? C'est un sentiment justement suffisant, quoi.